Eva Lacheray, j'ai 21 ans, je fais de l'escrime, plus précisément du fleuret, et j'ai été championne de France 5 fois en minime, cadet et junior, et j'ai été 3e au championnat du monde junior, donc moins de 20 ans, et 3e au championnat d'Europe des moins de 23 ans. J'ai pas très très bien vécu ce manque de compétition pendant plus d'un an pour ma part. Parce que voilà, ma vie est depuis des années rythmée par ça en fait, et du coup ça a été beaucoup de manque de motivation. Quand je ne sais pas où je vais, quand je n'ai pas d'objectif à court terme, j'ai du mal à me motiver, j'ai besoin vraiment de regarder quelque part et d'y foncer. Donc c'était pas très évident, mais on s'est accroché. L'objectif médaille m'a bien aidé pendant cette préparation olympique, parce que c'est pas négligeable dans mon sport amateur. Ça m'a permis de payer mon coach sportif, de payer du matériel d'escrime ou du matériel de préparation physique. Et voilà, pour me tenir en forme pendant toute cette année sans compétition, sans beaucoup de rythme, c'était très important pour moi d'avoir cette aide qui m'a finalement très très bien aidée. Je pense que ce qui m'a manqué pour cette qualification olympique, c'est des compétitions. J'ai manqué de confiance, et ça vient avec les compétitions. Plus on en fait, plus on sait se jauger. Là, je ne savais pas vraiment où j'allais. Donc au niveau de mes prochains objectifs, donc à court terme, si je peux dire, a priori, je voudrais faire des championnats de France. Donc ce serait évidemment d'aller décrocher une médaille aux championnats de France senior. Et sinon, très long terme, c'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui sont pas si long terme que ça, vu que c'est finalement dans 3 ans.